beaucoup. Bon, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Vous avez été plusieurs à me dire que des vlogs, ça vous intéresserait. Surtout le fait que je me dévoile un petit peu plus. Sinon, depuis plusieurs mois, j'ai pour l'habitude, quand je suis en forme, quand je suis prête, d'aller chercher le week-end des petites viennoiseries. Là, c'est ce que je vais faire. Et puis, bah, toute la journée, on va rester un petit peu ensemble. J'ai un nouveau colis qui est arrivé. Je pense peut-être savoir. Alors lui, je sais pas ce qu'il a. Je lui ai donné à manger ce matin et depuis quelques jours, comme s'il occultait que je lui avais donné à manger. Voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, je m'apprête à faire un vide dressing. Donc c'est demain dimanche. Je vais vous montrer quelques petites choses, mais pas tout parce que je compte vlogger demain. Alors on aura pas mal de fringues. On a là, ça sera toute la partie bijoux. Là, déco. Il y a beaucoup de choses et j'ai pas terminé. Donc aujourd'hui, ça sera vraiment le tri, le rangement pour être prête demain matin. Pour avoir un petit aperçu, là on a plein de bijoux. Donc ce sont bijoux Stella & Dot quand j'ai distribué la marque. Mais comme j'ai arrêté, bah, je me suis dit que ce qui me restait, j'allais les vendre puisque je les mettais pas. On a vraiment des pièces qui sont super jolies. Et c'est pas tout. Cette très belle robe longue mango, je l'ai eue cet été sur la Redoute, mais j'aime pas le col sur moi comme ça, c'est pas très joli. Mais bah, qu'est-ce que tu fais là, mon poteau? Tu prends le soleil? Ensuite, alors je continue, j'ai cette grande longue robe blanche donc que je vends, hein, bien sûr, c'est en crochet, c'est joli. Une veste qui a une forme assez particulière et ça c'est ma pochette, je l'adorais, Stella & Dot où je mettais bien sûr tous mes bijoux, c'est un petit peu comme du daim, elle était hyper pratique mais comme je l'utilise plus, bah, je pense que je vais la vendre. On a la petite pochette, toujours Stella & Dot. Super mimi, pratique. Là, c'est le Pegasus. Ça, c'est vraiment le collier phare que on voyait pareil sur pas mal de stars américaines. Et bah, je le vends parce qu'il coûte quand même, si je ne me trompe pas, bah, 200 euros. 999. Et bah, moi, je vais le vendre beaucoup moins cher, bien sûr. Voilà, je vous présente le Pegasus. Il est quand même très beau. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est chouette. Mais bon, je ne le mets pas, je ne le mets plus. Donc... bah, je le vends. Bon, je viens de sortir pour me balader. Je me force de plus en plus tous les jours à sortir au moins une demi-heure pour évacuer, pour sortir tout simplement parce qu'il faut. Sinon après, moi le soir, je peux avoir tendance à avoir des petits vertiges, tu vois. Ça y est, je viens d'en rentrer, ça m'a vraiment fait du bien, c'est tout simple mais très efficace. Je me suis mise en tenue décontracte, je vais prendre bain, shampoing, faire un masque visage, cheveux. Je finis de boucler tout ce que j'ai à faire pour demain matin m'avancer parce que je pense que je vais me lever très tôt. Et bah là, au moment où vous voyez ce vlog, j'y serai. Sinon, Eric vient de partir pour Paris chercher son fils à Orly à l'aéroport. Je pense que ce soir, ouais, ça va être McDo. C'est bien ça, McDo. Moi, je prends le signature et il me fait pas mal au ventre. D'habitude, les autres trucs, ça me fait mal au ventre. Là, pas du tout. Petite potatoes et on est bien. Voilà. Toi, il est calmé. Tu t'es calmé, mon Jack, c'est bien. Bon, avant d'aller me préparer, je finis deux, trois trucs à faire sur l'ordi. Je vais ranger aussi les bijoux qui traînent dans la pochette et puis après, bah, je vais y aller. Et oui, il y a aussi mon concours pour ceux qui n'auraient pas vu, pas passé à côté. Pour gagner une marque, c'est de la marque Holskern. Celle-ci, elle vaut 269. C'est moi, j'ai reçu celle-ci, mais vous allez pouvoir gagner celle que vous voulez. De toute façon, tout est indiqué dans ma vidéo. On a la boîte, il y a tout plein de trucs à l'intérieur. Franchement, ça vaut le coup. Allez. Elles sont sympas, celles-là. Il y a ça aussi que je vends, c'est mon présentoir Stella & Dot. Il est en parfait état. Je pense que ça peut être utile, hein, même si on ne vend pas de bijoux. Ça rend bien.
Voilà, hop. Avant que je monte, et cette fois-ci je vais vraiment monter, est-ce que je vous avais montré où j'avais mis ma petite licorne? J'ai voulu la mettre comme ça dans l'escalier, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ouais, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont trouvé un petit peu bizarre parce que j'ai pas mis les yeux à la place des yeux, je voulais un truc un peu abstrait, ouais, ça change. Et cette fois-ci j'y vais. Il est hyper tôt, je suis dans mon lit, j'ai voulu prendre aucun risque. Je sais que si je m'étais mise devant la télé, j'aurais regardé Netflix jusqu'à pas d'heure ou alors Danser avec les stars. Donc non, sinon demain je vais être explosée. Je vais en profiter, je vais finir le livre que je suis en train de bouquiner, la Décadence du homard, qui est pas mal, hein. Des petites lenteurs au milieu, mais là ça repart, donc c'est bon. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.